le collègue pour les Républicains, Meyer Habib, qui va nous parler avec son laconisme coutumier. Merci, cher président. Général, madame, monsieur, collègues, l'attaque russe contre l'Ukraine il y a 2 ans est une invasion non seulement contre une nation souveraine de l'Europe continentale en violation du droit international, mais aussi une attaque contre nos valeurs fondatrices et essentielles de démocratie libérale qui fondent notre République comme l'Union européenne. Oui, il faut se tenir aux côtés de l'Ukraine pour préserver sa souveraineté. Oui, il faut dénoncer les attaques russes. Oui, il faut soutenir la démocratie ukrainienne assiégée. Ces positions sont celles de la France et des pays de l'Union européenne comme les États-Unis. Mais une fois que nous avons posé ce diagnostic, quelle issue pour cette guerre aux conséquences globales délétères, y compris pour nous, la France? Le parallèle avec la lutte contre le nazisme ne tient pas. Poutine n'est pas Hitler. On n'aurait pas reçu Hitler à Brégançon comme l'a fait le président de la République. Les présidents Sarkozy, Hollande, Chirac, on en fait à raison un interlocuteur de premier plan. Mais il faut le dire en plus, le régime ukrainien entretient une posture très ambiguë vis-à-vis des collaborationnistes ukrainiens, Banderas notamment, et l'Allemagne nazie contre l'URSS. 80 années après Normandie-Niémen, socle de l'amitié franco-russe, l'invasion de Poutine en Ukraine a mis un coup d'arrêt à notre relation apaisée. Mais ce qui est en cause aujourd'hui, attention, dépasse la relation entre Paris et Moscou, c'est la sécurité et la pérennité du monde qui se jouent. La puissance nucléaire russe, ses relations avec la Chine font que la victoire militaire contre Moscou est pour moi une illusion absolue. Ce qu'il ne faut pas dire qu'il faut abandonner l'Ukraine, il faut la soutenir autant que possible sans faire basculer ce conflit dans un conflit et une guerre mondiale. Les propos du président Macron sur l'envoi d'hommes en Ukraine sont cruciaux mais aussi inquiétants. Ils méritent un débat parlementaire. La France doit être une force d'équilibre qui soutient la démocratie ukrainienne mais aussi un facteur apaisant, facilitant les discussions entre les deux parties afin de poser les bases d'un cessez-le-feu à défaut de paix. Ce conflit aurait peut-être pu être évité, comme l'ont appelé les plus grands spécialistes, dont le regretté Henri Kissinger. Trop de vexations, trop de maladresses, trop d'imprudences ont été commises de chaque côté. Peut-on imaginer demain le départ de la Russie, de la Crimée et du Donbass? Ça me paraît compliqué. Yalta en Crimée, c'est là. Posez votre question, parce que vous avez 15 secondes. N'interromps pas, monsieur le président, je vous en prie. Enfin, mes chers collègues, notons les deux poids, deux mesures avec l'situation en Israël. Personne ne parle de cessez-le-feu en Ukraine, alors que les victimes sont 10 fois plus nombreuses qu'à Gaza et qu'en Israël. Alors que c'est un leitmotiv international contre le Hamas, un groupe terroriste islamiste qui a tué 42 Français dans un pogrom historique. Dans les crimes contre l'humanité. Je suis obligé de vous faire taire. Mais je vous demandais 3 minutes comme tout le monde. Mais pourquoi des poids et des mesures aussi ici? J'ai dit qu'on respecterait les 2 minutes 30. Moi, je sors. Si vous, ça suffit. Eh bien, tant pis. Vous ne pouvez pas m'interrompre. Tout le monde a eu 3 minutes. Mais non, tout le monde n'a pas eu 3 minutes. J'ai interrompu M. Le Gall. Je vous interromps, vous, et je donne la parole à ceux... Bon, allez. Vous m'avez connu. Allez, M. Meyer Habib, arrêtez. Respectez l'autorité de la présidence. Et sortez si vous n'êtes pas content. On se passera de vous. Qui veut répondre? Quand je pense qu'on est vu par des centaines de milliers de gens, monsieur le président. Non, non, mais c'est agaçant. Mais non, mais pour c'est agaçant. J'ai dit très clairement, ça serait 2 minutes 30, c'est 2 minutes 30. Bon, maintenant, écoutez, vraiment, ça suffit cette histoire. Respectez un peu les collègues. Respectez les 3 minutes. Bon, il n'y a pas 3 minutes, c'est 2 minutes 30. Il y a eu Madame Capot à 3 minutes. Madame Capot revenait d'Ukraine. Et alors? Eh bien, elle avait peut-être un peu plus de choses à dire. Bon, et je l'ai interrompu, je vous signale. Bon. Oh, ça suffit! C'est insupportable. Vraiment? C'est pas tolérable. Enfin, nous ne sommes pas habitués. Nous ne sommes pas habitués, cette commission a fonctionné comme ça. Ah bah, non. Ça, je suis désolé. On se respecte les uns les autres. Ah oui, c'est un débat très compliqué. Nous avons 3 orateurs qui ont beaucoup de choses à dire. Il faut tenir dans les 2 minutes 30 qui sont fixées par les groupes. J'ai énormément de mal. Vous avez eu un problème avec Madame Clapeau dans les mêmes conditions en mon absence. Nous avons énormément de mal à vous contenir dans les 2 minutes 30. Je fais ce que je peux et quand je ne parviens pas à contenir dans 2 minutes 30, je vous en prie, ne vous prévalez pas du fait qu'un de vos collègues a manqué de discipline. C'est tout. Maintenant, avoir cette tolérance, monsieur le président. Quand on est président, on est au-dessus de la mêlée. Je suis au-dessus de toute mêlée. Ça, alors là, vraiment... La preuve, hein, j'ai eu un problème avec M. Le Gall, un problème avec M. Meyer Habib. Je suis d'une sévérité parfaitement impartiale. Bon, maintenant, excusez-moi, cher
chers invités, ça ne se produit jamais dans cette commission dans ces conditions-là. Je le regrette. Et je voulais savoir qui pourrait répondre en son absence à M. Meyer Habib. Mais ses propos étant hélas enregistrés, nous allons avoir... Si, si, mais si, on répond toujours. C'est enregistré. Bon. Oh, ça va. Oh, arrêtez, écoutez. Monsieur... qui veut parler ? Monsieur Gros. Oh, ça suffit, là. Tous les parlementaires sont égoïstes. Arrêtez, je vous en prie, mes chers collègues, soyez un peu dignes de votre rôle ici. Moi, vraiment, j'en ai par-dessus la tête de présider cette commission dans ces conditions. J'en ai par-dessus la tête. Allez, monsieur Gros.